Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avec Flo, on va faire une semaine sans aucun produit industriel ou transformé. Le thème de la vidéo de la semaine dernière, c'était vegan à la campagne parce que je voulais vous montrer qu'on peut trouver des produits vegan, peu importe où l'on se trouve, parce que le marché est en évolution positive et ça bouge beaucoup dans les rayons des supermarchés. D'ailleurs, si vous avez regardé mon vlog d'août, vous avez pu remarquer qu'on s'est fait pas mal plaise dans les supermarchés qui sont autour de chez mes parents parce qu'il y a énormément de références vegan. En revanche, je voudrais aussi vous montrer qu'on n'a pas besoin d'avoir de produits industriels et de produits transformés au quotidien pour avoir une alimentation végétale. D'ailleurs, en ce qui me concerne, avant qu'on soit ensemble avec Flo, j'achetais très peu ce genre de produits. Moi en général quand je suis toute seule et que je fais des courses uniquement pour moi, mes courses sont principalement composées de fruits, de légumes, de céréales, de légumineuses, d'oléagineux, de tofu et de tempeh et de bonnes huiles pressées à froid. Après lui il est fan de simili, il aime bien goûter les nouveautés véganes qui sortent et je me prête au jeu aussi et finalement j'aime bien. Mais je reconnais que les simili et les produits véganes qu'on a à notre disposition aujourd'hui, c'est vraiment sympa en termes de goût. Ça facilite la vie et c'est aussi intéressant pour aider à transitionner vers une alimentation végétale. D'ailleurs, il y a une question qu'on me pose souvent sur les réseaux sociaux, c'est pourquoi les véganes imitent la viande? Et en fait, quand on devient végane, c'est pas parce qu'on n'aime pas le goût de la viande, des produits laitiers, des œufs ou du poisson, c'est pour des raisons éthiques. C'est parce qu'on ne cautionne pas l'exploitation inutile et le massacre d'animaux innocents. Pensons un peu aussi à la planète. La consommation de produits animaux, c'est ce qu'il y a de pire pour l'environnement. Et puis là, on a eu un été hyper hardcore en termes de sécheresse et de canicule. Et pourtant, on continue à balancer 15 000 litres d'eau pour produire 1 kg de bœuf. C'est complètement indécent. Personnellement, j'aimais le goût de la viande, j'adorais le fromage et retrouver ces goûts-là et ces textures sans cruauté envers les animaux et sans tuer la planète, je trouve ça trop bien. Mais pour en revenir au sujet de cette vidéo, c'est vrai que depuis qu'on est petit, on est conditionné à manger un certain type de repas qui s'articule toujours de la même façon avec de la viande ou du poisson, donc une protéine animale qui est vraiment l'élément principal du plat et puis un petit accompagnement à côté. Et c'est vrai que les simili comme Heura, Apivore, Garden Roux Gourmet, c'est hyper cool si tu veux rester dans ce schéma-là parce qu'en termes d'apport nutritionnel, c'est exactement pareil que les protéines animales, mais avec les mauvais gras en moins. Donc tu peux juste substituer tes protéines animales par un produit vegan comme ça. Le seul truc que tu as à faire, c'est changer de rayon pour trouver ton produit. Mais quand on découvre la cuisine végétale, cette monotonie du steak frites, jambon pâte, ça s'envole complètement. C'est une cuisine qui met tellement plus en avant les légumes, les légumineuses, les oléagineux, qui est hyper créative et qui est vraiment beaucoup plus riche et beaucoup plus variée que tout ce que j'ai pu connaître avant. Je vous embarque donc avec moi pour une semaine sans aucun produit industriel slash transformé. Mais avant toute chose, je voulais revenir un petit peu sur ce que j'entends par produit industriel ou produit transformé. Donc évidemment, pas de steak vegan, pas de fromage vegan, pas de lardon vegan, pas de yaourt vegan. Par contre, je vais continuer à acheter du tofu et du tempeh. Je considère pas ça comme produit transformé et surtout aujourd'hui, on en trouve vraiment partout. Il y en a en magasin bio, il y en a en grande surface. On en trouve aussi dans les épiceries asiatiques. C'est pas un produit qui est compliqué à trouver. Et je vais continuer à acheter des produits qu'on retrouve en boîte ou en bouteille. Par exemple, la sauce tomate, les laits végétaux, les purées d'oléagineux. En vrai, ce sont des produits qui sont pas compliqués à faire maison, mais j'avoue que pour le gain de temps, je les achète. Comme d'hab, pour cette vidéo, je vais être un petit peu entre chez Flo et chez moi, donc vous aurez des petits changements d'environnement durant la vidéo. Mais en tout cas, quand on est chez Flo, c'est Flo qui cuisine 100% du temps, sauf si on veut faire un dessert. Mais ne vous inquiétez pas, il est au courant et il fait le challenge avec moi. Donc c'est parti! Alors aujourd'hui je mange toute seule chez moi. Je suis allée à Biocoop ce matin pour faire le plein de légumes et je vais me faire une petite salade comme j'aime. Flo il déteste donc j'en profite pour faire ce genre de truc quand il est pas là. Donc je vais me faire une base de salade verte et de quinoa et je vais rajouter des légumes avec. Mais d'abord petite sauce salade. Donc je mets une base d'huile d'olive avec de l'huile de cameline.
Donc ça, j'en achète principalement parce qu'elle est hyper riche en oméga 3. Je rajoute un petit peu de ce mélange salade de chez Nomi. C'est ma marque d'épices préférée et ils font vraiment des combinaisons d'épices sympas. Si ça vous dit, je vous mettrai un code promo en barre d'infos. Un petit peu de vinaigre de cidre, une pointe de moutarde et je mélange de l'oignon rouge, une tomate. C'est la fin de la saison, mais il en reste encore des françaises, j'en profite. Un petit tofu au basilic pour les protes. De la salade verte, du quinoa que j'ai fait cuire ce matin. Je me rajoute des petits cœurs d'artichaut parce que j'aime trop ça, c'est ma passion. Et voilà, ça fait une grosse salade repas et c'est vraiment le truc que je kiffe le plus. Et j'en profite parce que vraiment c'est le genre de truc que Flo il déteste. Il y a que quand je suis toute seule que je mange des trucs comme ça, des grosses salades repas avec plein de trucs dedans. Lui, il aime bien les trucs plus mijotés, les trucs chauds déjà. Je crois qu'il aime pas trop manger froid en vrai. Walou, je vais me manger ça devant un épisode de Virgin River. Petit dessert, des abricots. Je pense que c'est les derniers de la saison. Je vais donc les déguster et les apprécier. Bon, je reviens du sport. C'était la reprise aujourd'hui, c'était vraiment dur. Et honnêtement, j'ai pas du tout faim. Donc je sais que c'est pas bien après le sport, mais je crois que je vais zapper le repas du soir. En plus, il est 21h30 là, je suis crevée. Je crois que je vais juste prendre une douche, me mettre devant Netflix et aller me coucher. Donc rendez-vous demain midi hein, pour le prochain repas sans produits transformés. Petite vinaigrette, concombre, oignon rouge, quinoa, patates douces, tofu, citron et fines herbes, salade, tomate, quelques noix et noisettes et des petits cœurs d'artichaut. C'est prêt! Merci mon love! Et en dessert, un petit pumpkin spice hot chocolate. Pas très chocolaté parce que sinon Flo il aime pas. Et oui, ça y est, c'est enfin la saison où on peut se remettre au chaud sous les plaids. Ouais, pas encore quand même. Oui, mais on aime bien quand ça arrive. Alors on fait direct le premier de la saison. Et du coup, c'est tout simple. En fait, je prends du lait de soja vanille que je fais chauffer. Dans mon blender, je mets du chocolat, du cacao en poudre, un tout petit peu de rapadura et du mélange pumpkin spice. Et je blende et ça donne un truc trop trop bon. Il me reste du quinoa, j'ai aussi des légumes et du tofu, tofu au paprika. Voilà, tofu au paprika de chez Coro. Et du coup, je veux un truc super simple, du quinoa avec des légumes et du tofu. Vous voyez, quand on est chez moi et que pourquoi, c'est moi qui fais la cuisine. Pourquoi? Qu'est-ce qui va pas dans mon plat? Si, c'est bon, mais c'est une salade. Mais là, c'est chaud, je le fais chauffer. C'est vrai, c'est une salade chaude. Et voilà, petite assiette que moi je trouve complète, contrairement à ce que Flo pense. Non, si, ça a l'air trop bon, alors arrête de me critiquer. C'était avant que tu mettes la ratatouille et le tofu que je te disais que c'est peut-être un peu trop maigre. Aujourd'hui, il y a Écolo mon cul qui mange ici. On s'est croisés dans la rue et il est venu squatter. Donc je lui fais à manger. Au menu, des petits haricots verts avec des champignons. Je vais rajouter du tempeh et du quinoa. Est-ce que tu veux un peu de levure maltée par-dessus? Oh. Oui ou non? Non, ouais, grave. Je te donne ça de suite. Allez. Bon appétit. Bon app. Et nous avons aussi un petit dessert aujourd'hui pour Écolo mon cul. Une tarte au chocolat et à la vanille. Je rajoute des petites pépites de cacao cru sur le dessus pour que ça lui fasse une belle déco. Touk, 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 touk. Bon, elle n'est pas très prise hein, parce que je lui ai fait une tarte en urgence. Bon app. Tu peux avoir une cuillère du coup? Oui. Salut le vlog! Alors ce soir, c'est moi qui cuisine pour changer. Comme d'hab, hein? Ah oui. Ah, moi j'avais dit pour changer. Qu'est-ce que tu nous as fait sans produit transformé, industriel? Eh ben alors, j'ai fait des petites pommes dauphines, qu'on peut voir ici. Donc j'en ai fait comme d'hab trop.
J'ai fait aussi trop finalement. Je pensais qu'il n'y en aurait pas assez. Mais deux salades de haricots verts. Donc c'est juste des haricots verts que j'ai fait cuire avec de l'ail, une petite vinaigrette. Après, je les ai mis sur l'eau froide pour les refroidir. J'avais pas le temps de les mettre au frigo. Et une petite vinaigrette, c'est trop bon. Et du petit tempeh que j'ai coupé, que j'ai fait revenir avec la sauce soja. Tout simplement. Par contre, petite question. Pardon, j'ai envoyé un mail. Pourquoi nous mangeons dans des assiettes si petites, hein? Bah, en fait, c'était pour que on a l'impression de manger gros. Ouais. Et que du coup, c'est mentalement, on se dise, ah ouais, on mange beaucoup. Moi, ça me donne pas l'impression de manger gros. Ça me donne l'impression de manger petit. Oui, mais alors là, dans le vlog, je pense qu'ils se rendent pas compte. Normalement, on mange dans des assiettes comme ça. Tac. Vous voyez, c'est ça les assiettes dans quoi on mange d'habitude. Et là, c'est vrai que j'ai pris celle-ci. Donc, effectivement, il y a un petit décalage. Mais c'était pour qu'on mange un peu moins, parce que comme on commence à prendre du poids et tout ce qu'on mange, je me suis dit peut-être que ça, ça ferait bien. On n'a pas fait de sport cet été, c'est pour ça que nous sommes un petit peu enrobés. Ouais, là, j'ai un peu du bide, et du coup, je me suis dit peut-être que mentalement, et puis c'est plus facile sur le canapé de tenir l'assiette là. Bon, par contre, je ne veux pas bullshit le vlog. Je dis la vérité, donc je montre la vérité. On est passé sur des bols plus gros, avec plus de haricots verts et on attège les petites assiettes. Je tiens à dire qu'à la base, je comptais qu'on mange dans les petites assiettes. C'est elle qui m'a dit, moi, je veux manger dans un bol. Oui. Et du coup, on a transvasé. Heureusement, j'ai un lave-vaisselle. Hein. Chez elle, on n'aurait pas fait ça parce qu'elle n'a pas de lave-vaisselle. Ce midi, Flo nous a préparé des aubergines, des courgettes, du poivron, de l'oignon, de l'ail qu'il a fait mariner. Des sauces tomates, du tofu, des patates aussi. Ah oui, sauce tomate, tofu, patate. Donc tout ça, il l'a fait mariner toute la matinée. Là, ça va partir au four. Oui. À tout à l'heure. Ça sort du four. Et parallèlement, j'ai fait des petits lentilles pour mélanger avec. Et je vais mettre tout ça là-dedans, comme ça on va mélanger. Et puis on va faire des petits wraps. Hein, qu'est-ce qu'on en dit? Ouais. Ouais, des petits wraps. Allez. Ça se trouve partout dans les wraps. Bon, je vous avoue, je me pose la question. Est-ce qu'on compte les wraps en produits industriels? Bah non. Moi, j'aurais tendance à dire oui. À ce moment-là, c'est-à-dire que le pain est un produit industriel, ce qui est vrai, hein, parce que c'est un mélange. Donc le tofu aussi, alors. C'est-à-dire que là-dedans, on a vraiment mangé que des lentilles et des légumes. À un moment donné, non, ça va. Non, le tofu, je considère pas ça comme un produit industriel, bah, parce que c'est pas très transformé. Bah, du soja, que t'as dû faire en lait, que t'as dû cuire en mélangeant avec du nigari. Au bout d'un moment, ça fait quand même beaucoup d'étapes pour arriver à faire du tofu. Hein. Il m'engueule. Oui. Bah, il y a moins d'étapes dans le tofu que dans les tortillas, sachant que c'est juste de la farine, de l'eau et du sel. De la farine, de l'huile de colza, déstabilisant, du carbone. Oui, non, mais d'accord, mais bon, le but, c'est, ça, c'est parce que c'est un produit industriel, mais je veux dire, dans la théorie. Ah, voilà, on y vient. C'est donc un produit industriel. Oui, bah, alors, tu veux qu'on regarde les composants qu'il y a dans ce tofu, là, que je viens de jeter? Bon, à vous de juger. En vrai, si vous voulez vraiment pas avoir de wrap, bah, vous pouvez le manger sans wrap, tout simplement, avec du pain du boulanger, c'est quoi. Non, mais du coup, le pain, c'est pas industriel, par contre. La vidéo, c'est juste de montrer qu'on n'est pas obligé de manger avec des wraps. Donc, en fait, les wraps, on s'en fout qu'il y ait le rat ou pas, il y avait des wraps. Hein. C'était ça, le but de la vidéo. C'est pas de dire PTDR, on bannit tout ce qui est fait dans un magasin. Quoi. Et oui, moi, avant. Oui. À table. Regarde, je t'ai fait un petit wrap. Merci. Il y en a encore assez pour en faire plusieurs. Hein. C'est trop bon ou pas? Ça manque de rats? Non, c'est bien assaisonné, en plus, j'adore. Ah, et bah tu vois, comme quoi. Pas besoin d'avoir du rat ou du beurre de mythe. Hein. On monte là-dedans. Vous voyez, tout simple, trop bon. Yum, yum. Bah oui. Voilà. Bon, les amis, on vient de rentrer du cinéma. Ce soir, on se fait du melon. D'ailleurs, celui-ci, là, le melon vert, il est trop bon. Ouais, un mélange melon vert et melon normal. Et bah en fait, il nous reste encore des légumes de ce midi, donc on va se refaire des petites faritas avec le mélange de ce midi. Mmh. Trop bon le melon. Ouais, non, mais le vert, il est excellent. Mmh. Et dans le melon, je vais mettre du basilic. D'habitude, je mets de la menthe. Je sais pas si ça va aller bien avec le basilic. Mais pendant qu'on n'était pas là, toute la menthe de Flo a cramé. Donc là, on a du basilic. C'est ridicule. J'aime bien dans le melon mettre un petit peu de jus de citron et de la menthe normalement. Mais bon. Mais basilic, ça va bien, tu peux mettre une pointe de sel avec et de poivre et ça va comme ça rehausser tous les goûts, ça va être trop trop bon. Et regarde mon love, je suis devenue pâtissière. Et regardez comme c'est beau, ces couleurs. Ouais, j'adore, j'en prends un peu pour voir si c'est trop bon. Vas-y. C'est trop bon. Et voilà, petit repas du soir sans produits transformés. Yum yum, bon appétit.
Ce midi, nous sommes sur une base de riz. Riz vinaigré, exactement. Qu'est-ce que tu nous as préparé avec ? Riz avec, j'ai fait des brocolis de chou-fleur vapeur. Ouais. Et un petit soja, sauce sésame. Et sauce soja aussi d'ailleurs. Soja mariné. Voilà, tout simple. Et puis en dessous, on a un petit melon. C'est bien parce que ça nous permet de remanger sel un petit peu. Parce que je trouve que ces derniers temps, c'était pas ouf. C'est quand même des recettes qu'on fait souvent, ce genre de truc-là. Même si, des fois, à la place, il y a peut-être du Laura ou un truc comme ça. Mais globalement, c'est quand même des trucs qu'on mange souvent parce qu'on aime vraiment bien manger comme ça. En vrai, on aime bien les trucs quand même assez simples. Quand on est tous les deux à la maison, on part pas dans les trucs trop compliqués. À part si des fois, on se fait des kiffs et que, et que toi, tu nous fais un truc qui dure 4 heures là, à préparer. Mais sinon... Des fois, ça m'arrive. Là, on travaille tous les deux et tout. Donc, on fait des trucs rapides pour une pause déj pas trop longue. C'est ça. Attends, je vous montre comme c'est bon. Regardez-moi ça. C'est vrai que je remarque que les trucs un peu inspiration asiatique, c'est toujours les plus simples à faire. Ouais, avec une bonne petite sauce là. Ouais, sauce soja sésame. Et ça, c'est vraiment simple à faire. Hein. Vous prenez soit des PST, soit du tofu, en fonction de ce que vous avez sous la main. Même du sétan, hein, ça marche. Petite sauce soja, avec vous laissez mariner, vous mettez des petites graines de sésame. Moi, en attendant qu'il finisse, je vais me mettre devant la télé, parce que le midi, on se mate une série. C'est parti, je goûte cette petite sauce déjà. Cuisine bien, mon là-bas. Bah, j'espère. Hein. C'est bon. Hein. Et en dessert, petit melon, parce que c'est la saison encore, alors on en profite. Alors, ce soir, j'ai fait un dessert. En fait, Flo, il avait fait, il y a quelques mois déjà, sirop... Semaine, celui-ci. Semaine, juste. C'est début de l'été, je crois. Début d'été. Il avait fait du sirop de pêche. En plus, on avait des pêches. Il s'est dit, vas-y, je fais un sirop. Et on l'a laissé fermenter pendant plusieurs semaines. Il l'a filtré tout à l'heure pour qu'on ait le sirop, sauf qu'il restait les pêches à l'intérieur. Et il m'a dit, viens, vas-y, tu veux pas faire un dessert avec? Et donc, j'ai fait un petit cake aux pêches. Ouais. J'ai pris mes pêches, je les ai réduites un peu en purée. Et j'ai fait mon cake avec. Donc, on va voir si c'est bon. Voilà la tête de la bête. On va pouvoir le découper pour voir ce que ça donne à l'intérieur. Tu veux couper une tranche, mon petit cœur? Déjà maintenant? Bon, pourquoi pas. Oh, pour montrer. Et en plus, je suis en train de faire un petit thé glacé aussi, pêche, hibiscus et abricot. Ouais. Ça, on pourra déguster avec ça. Et si vous vous posez la question pourquoi il y avait encore les morceaux dans le sirop, c'est parce que je fais du sirop à sec. Donc, c'est-à-dire que je mets juste le poids en sucre et le poids en fruits et j'attends. C'est tout, rien de plus. The Reveal. Par contre, j'aurais pu mettre genre des petites amandes ou quoi dedans, non? Ah oui. C'est vrai que j'ai pas pensé, j'ai fait vraiment avec rien quoi. Il y a même pas de morceaux de pêche en vrai dedans parce qu'elle en a fait une compote, donc voilà. Ouais. De toute façon, les compotes étaient les pêches étaient confites, donc dans tous les cas avec le sucre. Franchement. Ça sent la pêche? Un petit peu, il y a un petit regard. Bon, ça sent pas trop la pêche. Je goûte, pour être sûr. Ouais, vas-y. Moi, j'attends le dessert parce qu'on a pas commencé à manger. Oh, tu détestes. Non, c'est trop bon. Mais tu sens pas la pêche? Non. Non, en vrai, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. C'était vraiment pour les utiliser, quoi. Ouais, 200 grammes de pêche. En fait, si on avait eu de la compote, ça aurait été mieux d'utiliser la compote et de mettre des morceaux de pêche, je pense. Mais bon, on n'avait plus de compote. Tant pis. On pourra tartiner de la confiture dessus, au pire. Et sinon, tu nous prépares quoi ce soir? Alors, des pâtes. Et avec un petit chili faune sétan. Ouais. Et il me reste aussi des haricots blancs. Donc, en fait, je mélange un peu tout ce qui me reste. Comme ça, on fait aussi les fonds de placard dans cette série. Donc là, il y a haricots rouges, haricots blancs et sétan. Et sétan. Après la sauce tomate, j'ai mis un petit oignon. Enfin, voilà les petits trucs de base. Et en fait, on va utiliser ça en sauce pour les... Pour les pâtes. Pour les pâtes qui sont là-dessous. Ce sont les pâtes au superfood de chez Casidomi qu'on aime bien. Ouais. Voilà, regarde, tiens. Sachez que vous avez dans tous les magasins bio, même pas bio, le meilleur fromage de la terre, à savoir la levure maltée. Grave. Voilà, vous en mettez comme ça dessus. Nous, on en met plein parce qu'on adore, mais vous pouvez en mettre moins si vous aimez moins, quoi. Mais... Et en plus, la levure maltée, c'est hyper bon pour les ongles et pour les cheveux. Et bah même pour les apports en protéines, 50% de protéines dans la levure maltée. C'est vrai. Du coup, voilà, juste là en rajouter, nous on doit en avoir à peu près 50 grammes par assiette. Bah voilà, 25 grammes de protéines. Aujourd'hui, on est invité à bruncher chez Écolo Mon Cul. Est-ce qu'il nous a préparé un brunch sans produits industriels? Oui, je pense, hein, à vue d'œil, on a parlé de tofu. Le tofu, on accepte. Oui, le tofu, c'est ton rêve. Alors, explique-nous ce qu'il y a dans les assiettes. Les pancakes de la sultance. Ah, c'est mes pancakes. Pourquoi ils sont pas aussi fluff que elle? Bah, parce qu'il y a que elle qui sait faire. Ça, c'est vrai, moi aussi, j'arrive pas encore. Il y a tofu brouillé avec des petites saucisses de tofu. Ouais.
Le pain au charbon végétal de Utopie. Des tartines hummus, sésame avec tomates séchées et oignons rouges. Et des tartines d'avocat avec des oignons. Alors, par contre, par rapport au thème de notre semaine, la question que je me pose, c'est est-ce que ces petites saucisses-là de tofu, on les considère comme... Ah bah oui, parce que ça, c'est un produit qui existe dans tous les magasins bio, même le plus pété chez Biocop, ça, c'est les saucisses Typhoon, je pense. Ou ça doit être les soy sauces. Et ça, ça se trouve vraiment partout. Donc, bon, ça reste un produit transformé, vous n'êtes pas obligé de mettre ça dans votre tofu. Oui, mais c'est pas assez un truc. Mais en tout cas, c'est très beau. Et j'ai ramené à Écolo Mon Cul une petite confiture de ma marque de confiture préférée qu'on va pouvoir manger sur les pancakes. Par exemple. Oh, et il nous a fait du jus d'orange pressé. Oh là là. Flo transforme le repas d'hier en... Je sais pas en quoi. Bah comme c'était des pâtes et qu'il en restait quand même suffisamment. Ouais. Bon, je vais faire un petit gratin. Donc, j'ai rajouté quand même de la crème de soja dedans. Un petit peu de piment d'Espelette. Et pour faire un petit blanc sauce. Et là je vais mettre un peu de chapelure. La chapelure. Le temps qu'il mette sa chapelure, je vous montre notre dessert encore, parce que quand je fais un gâteau, quand même, on le déglingue pas en une seule fois. Hein. Voilà, c'est parce que c'était le soir. Hein. Si ça avait été le midi, je pense qu'il y en aurait plein. J'avoue, tu l'as quand même bien amoché hier soir. Donc, je mets de la chapelure pour gratiner. Je vais faire des brocolis à côté. Ou des haricots, tu préfères quoi? Des haricots verts? Ouais. Ah ouais, des haricots verts. Je préfère des haricots verts, s'il te plaît, mon love. Alors, je vais faire des haricots verts. Et je vais mélanger avec la chapelure un petit peu de levure maltée, parce que, voilà, comme je vous l'ai présenté hier, c'est très bon. Ce sera dans tous les magasins bio, tous les magasins, même tout court. D'ailleurs, au Auchan, ils ont le nom. Levure maltée, levure de bière, levure alimentaire, ça a plein de noms, tout est la même chose. Levure maltée forever. Par contre, mettez pas que la levure maltée en gros, parce qu'en fait ça brûle un peu, contrairement à... Donc c'est mieux de mélanger avec un peu de chapelure. Wingardium Leviosa, haricot vert. Oula. Ça sort du four. Et de la poêle. Et de la poêle. Est-ce que tu es content de ton plat du jour? Ouais. Moi je veux plus de haricot vert que de gratin, s'il te plaît, j'ai pas hyper faim. Voilà, comme tout le monde. On n'est pas un restaurant multiservice. Kin. Kin, mon love. Bon app. Bon appétit, mon love. Je fais un truc abusé. Je mets cette petite confiture Mirabelle Orange Sanguine sur mes parts de cake. Dites-moi en commentaire si j'ai le droit ou si j'ai pas le droit. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors, comme vous avez pu le remarquer, l'idée c'était de vous montrer pour de vrai ce qu'on mange tous les jours. C'est pour ça que c'est pas forcément des trucs hyper élaborés. C'est pour ça que ça change pas forcément tous les jours, parce que quand on a des trucs dans le frigo, on les mange, on cuisine beaucoup les restes. Mais c'était surtout pour vous montrer que déjà, il n'y a pas besoin d'acheter des produits industriels, des steaks vegan, du fromage vegan, etc. pour se faire des repas sympas. Et surtout, vous montrer que tous les repas n'ont pas à tourner autour d'une pièce de viande ou d'un morceau de poisson. Il y a d'autres manières de cuisiner. Même si c'est pas des trucs très élaborés, on manque jamais d'idées et on se fait toujours des petits plats qui sont bons, qui sont consistants. Même si pour tous les jours, on aime bien les choses simples, parce que on travaille, on va au sport, on est occupé. Donc on n'a pas forcément envie de passer 4 heures en cuisine, de réfléchir midi à 14 heures à faire des trucs de ouf. Alors de temps en temps, on aime bien quand on invite des copains, quand on se motive pour faire un truc chouette. Mais voilà, ça c'était vraiment ce qu'on mange au jour le jour quand on travaille et que nos journées sont bien remplies. N'hésitez pas à me dire en commentaire les plats que vous aimez bien faire en semaine quand vous n'avez pas trop le temps de cuisiner, quand vous avez envie que ça aille vite. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos et à mettre un petit pouce en l'air sur cette vidéo. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye !